c'est moi, Blippi. Oh, et regardez ce que j'ai. De très bons légumes. C'est très bon pour la santé. Et je suis bien rassasié, là. Et après avoir fait un bon repas, qu'est-ce qu'on va manger ensuite? Oui, un dessert. Et aujourd'hui, on est au Bones Candy d'Issaquah à Washington. Ça va être trop vraiment super bon. Venez. Oh, regardez cet endroit. Miam. Je ne sais même pas ce que c'est, mais ça a l'air super bon. Wow. Hey, des caramels. Oh, des chocolats. Hey, je pense qu'on devrait apprendre comment faire toutes ces friandises. Wow. Chocolat, chocolat, chocolat! C'est sûr, on aime le chocolat. Hé, hey, regardez là! Regardez comme ça sort de l'embout juste là. Vous voyez? Oh! Regardez ce que j'ai! Oh! Un truc en plastique avec des lettres dessus. Vous savez quelle lettre est ici? Ouais! C'est la lettre B! Vous connaissez quelqu'un dont le nom commence par la lettre B? Oui, c'est mon nom, oui, Blippi. Hé, j'ai une idée. Remplissons un de ces B avec du chocolat chaud. Prêt? Oh. Wow. Wow. Regardez ça. Il a fait couler le chocolat juste ici. Ok, maintenant, on doit le mettre juste là. Et puis, on va le secouer pour que toutes les bulles s'échappent. Et utiliser ce pinceau à chocolat. Ou ce pinceau au chocolat. Ok, en marche. Oh, bien, maintenant que toutes les bulles d'air ont disparu, mettons-le au frigo. Hey, savez-vous pourquoi on le met dans le frigo? Ouais, souvenez-vous, tout à l'heure, j'ai dit « le chocolat est très chaud ». Il faut le refroidir pour qu'il devienne tout à fait dur. Le chocolat est solide quand il est froid. Vous voyez? Pas de chocolat sur mes doigts. Bon, maintenant, la prochaine étape, mettons ça ici et on va le faire sortir. C'est parti. Oh! Oui! Regardez! Un chocolat B! B! Quel autre mot peut-on trouver qui commence par la lettre B? Brun? Ouais! Ce chocolat est de couleur brun. Et pourquoi pas un bourdon? Oh! 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 Ouais! Comme un gros bourdon! Ok, on le met dans la boîte. Boîte commence aussi par la lettre B. Ok, bye bye B. Et voilà. Hey, en parlant d'emballer le chocolat, regardez ça. Wow. Ok, wow. Wow. Regardez ce qu'elle fait. Elle met tous ses chocolats dans toutes les boîtes. Waouh, bien joué. C'est bien ce que je fais. Merci, monsieur. Est-ce que c'est fun? Oh, Blippi, c'est vraiment trop fun. Vraiment. Cool. Eh bien, voici à quoi ça va ressembler quand elle aura fini. C'est sûr. Ok, maintenant, terminons l'emballage. Alors, il nous faut cette boîte de chocolat. On met cette protection. Et puis, un prospectus. Bones Chocolates, placé sur le dessus. Et puis, on met le couvercle de la boîte, là. On fait glisser dans le plastique. On le pousse sous la machine à sceller. On referme. Ah, parfait. Ok, maintenant, on a besoin d'un pistolet à air chaud. On appelle ça filmer le plastique. On chauffe le plastique qui se tend et devient tout lisse. Et voilà.
Ça, c'est plutôt fun. Wow! Wow! Ouais, ça commence à être vraiment bien. Ok, c'est bon. On peut le retourner. Et puis, quand c'est bien chaud et bien tendu, alors on accroche un nœud. Hop, sur le dessus et le dessous. Et voilà! Vous voyez? Ça, c'est une très belle boîte. Très belle et boîte. Commence par la lettre B. Et Booms également. Je vais l'emmener à la maison. Wow! Oh! B-L-I-P-P-I. Blippi! Oh! Ces bonbons ont l'air trop bons! Ah! Ils sont sur un très long tapis roulant. Je me demande comment ça marche. Oh! Je peux essayer? Bien sûr! Regardez ici! Prenons deux morceaux. On met un morceau là. Et mettons le deuxième. Juste ici. Ensuite, ça roule sur ce très long tapis roulant. Oh! Là, il y a du chocolat qui se colle sur le dessous. Wow! C'est cool à regarder. Wow! Ça sèche un peu par ici et ça va très lentement. Vous voyez comme ça défile lentement? Wow! Oh! Et regardez! Un autre endroit où le chocolat se colle sur le fond. Wow! C'est super fascinant à regarder. Maintenant qu'il y a deux couches sur le fond, l'étape d'après, c'est juste là. Qu'est-ce que vous faites? Je recouvre les monts Rainier avec beaucoup de chocolat pour éviter les trous. Wow! Donc, ils mettent beaucoup de chocolat sur le dessus. Oh, regardez! Ça a l'air bon! Suivez-moi de l'autre côté! Waouh! Qu'est-ce que vous faites? Maintenant, je rajoute de la neige de chocolat blanc sur le mont Rainier. Oh! Regardez ça! La neige de chocolat blanc! Wow! C'est de plus en plus bon! Et puis, juste là, ça refroidit. Et puis, venez par là! Wow! Qu'est-ce que vous faites? Je mets tous ces chocolats sur le plateau. Wow! Une fois ces chocolats terminés, ils sont rangés sur un plateau. Regardez! Wow! Wow! Regardez-les! Miam! Regardez! On dirait des petits triangles! Avec de la neige sur le sommet! Exactement comme le mont Rainier! Wow! Miam! Wow! Regardez! J'ai du chocolat dans ce tube plastique! J'ai coupé le bout et avec, je vais faire une œuvre d'art! Prêt? Wow, ça sort! Ok, dessinons un triangle. Wow! Et voilà! Bien joué! Et pourquoi pas un rectangle? Oh! Oh, ce rectangle ressemble à une tablette de chocolat! C'est une tablette de chocolat! Et si on épelait mon nom ensemble? Prêt? B L I P P I. Oui! Regardez! Blippi!
Ça a l'air exquis. Que dessiner d'autre? Je sais, des lignes dans tous les sens. Oh oui. Oh, oh, oh. Oh. Et voilà. Quand ce sera sec, ça va être super bon. Ah. Wow. Regardez ça. Ça, c'est une tablette de chocolat géante. Oh. C'est hyper lourd. Oh. Wow. Avez-vous déjà vu une tablette de chocolat aussi grosse? Eh bien, moi, non. Ok. Ok, ce que je vais faire, ça va vraiment en mettre de partout. Alors, la première chose à faire, c'est d'enfiler un tablier. Parfait! On l'attache à l'arrière. Wow! Maintenant que j'ai mis le tablier, oh oh, hein, on peut briser cette tablette de chocolat. Mais là, on dirait un marteau, non? Mais ce n'est pas un marteau normal. Ce marteau n'est utilisé que pour briser cette grosse tablette de chocolat. Prêt? Ouais! Ouais! C'était génial! Encore une. Une autre. Et voilà! Ça, ce sont des bouts plus petits. Mais toujours assez gros. Ensuite, on va l'emmener jusqu'au réchaud. Mais d'abord, il faut retirer le couvercle du réchaud. Et puis... Oh, regardez! Oh, ils l'ont déjà enlevé pour moi! Merci bien! Ouh, regardez ça! Regardez! Regardez! Wow! Ça m'a tout l'air d'un très bon chocolat. En fait, ça réchauffe le chocolat pour le faire fondre. Bien, c'est parti! Regardez! Oh! Ouais! On remet le plateau. Et puis, on va prendre ce gros bol et le mettre juste ici. Et quand je vais ouvrir ça, tout le chocolat va se mettre à couler. Prêt? Wow! 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 Ça a l'air trop bon! Oh, c'est vraiment lourd! Ok, on emmène le chocolat par là-bas. Et une fois sur place, on va préparer des Rocky Road! Vous connaissez les Rocky Road? C'est vraiment bon! Bien! Donc, comme ce chocolat était très très chaud, on l'a laissé refroidir juste un tout petit peu de temps. Voyez? Voilà un très bon chocolat, juste un peu moins chaud. Bien. Alors, on a du chocolat. Et puis, on prend quelques noix. Ça a l'air assez bon. Et puis, on prend aussi quelques chamallows. On met les chamallows d'abord. Et puis, on mixe tout ensemble. Mouah. Ok. Et voilà. Regardez. Wow! Ouais! Il faut mixer le chocolat et les chamallows bien ensemble jusqu'à ne plus voir de blanc. On voit juste le chocolat. On y est presque! Wow! Bien, ça a l'air plutôt bien mélangé. Vous voyez ça? On dirait des chamallows recouverts de chocolat. Bien! Maintenant, il faut incorporer les noix dedans. Alors, on les saupoudre dedans et on mélange. Ok. C'est parti! On mélange! Wow! Là, ça a l'air vraiment bon. Bien. Donc, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est prendre tout ça et le mettre sur la table. Ça va faire un sacré bazar. Alors, la première chose à faire, c'est de mettre ces énormes gants. Oui. Oh, regardez la taille de ces gants. Ils vont jusqu'en haut du bras. Wow.
Et puis, on enfile cet autre gant. Ok. Oh. J'ai mis deux énormes gants. Un et deux. Et puis, on enfile une autre paire de petits gants. Maintenant, on est prêt. On touille une dernière fois. Ok. On met la grosse cuillère par là. Et ce qu'on va essayer de faire, ce sont des grosses bûches qui ressemblent à ça. Vous voyez ça? Wow! Ça a l'air trop bon. Alors, on prend ça, on le met sur la table et on en fait une très longue bûche. Prêt? Wow! C'est fou comme c'est mou! Et ça sent tellement bon! Oh! 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 Et voilà! Wow! Oh! C'est tellement fun! Ok, il y en a encore un peu. Ok, ça c'est un bol que j'aimerais bien lécher. Ok, encore un peu. Bien, je pense qu'on a tout mis. Bon, je pousse le bol là-dessous et maintenant je vais lui faire prendre la forme d'une très longue chaîne de montagne. Ce genre de forme. Avec des petits monts. Wow! Ça a l'air bon? Ou est-ce que ça a l'air super bon? Bien! Maintenant, ce qu'on va faire, c'est le laisser sécher. Et puis, on va se régaler! Bien joué! Regardez ça! C'est ce qu'on appelle le Rocky Road! Oh! Vous voyez ce que je fais? Je me lave les mains. Et je les lave vraiment bien. Car ce que je m'apprête à faire nécessite l'usage de mes mains. Bien! Je les sèche rapidement. Oh! Ça va être fun! Bien, là, mes mains sont bien propres. Alors, je vais utiliser mes mains comme un thermomètre. Vous savez ce que c'est un thermomètre? Un thermomètre vous aide à prendre la température. Suivez-moi. Wow! Oh! Et la température du chocolat que je vais utiliser est très importante. Voilà pourquoi je n'utilise pas de gants. Pour pouvoir être sûr que la température est parfaite. Vous voyez ce chocolat juste ici? Il est très chaud. Alors, prenons-en un peu. Et mettons-le sur la table. Ouais, juste comme ça. Parfait. Je pose ça juste là. Ensuite, on l'étale bien partout, bien comme ça. Et ce qu'on fait ici, c'est préparer des truffes. Waouh, elle est vraiment forte! Regardez! Waouh, c'est fascinant! Ici, je passe ma main comme ça, pour être sûr que c'est à la bonne température. Bien! Ça a l'air parfait pour moi! Alors, avec ma main gauche, je vais prendre un peu de beurre de cacahuète et prendre un peu de ce truc blanc. Je le mets juste ici, je le fais rouler. Oh! Oh! Je dois continuer à bouger ma main droite, c'est pas évident. C'est un peu comme se masser le ventre et se caresser la tête en même temps. Ok, regardez. Oh! C'est super dur! Mettons-la dans la main. Paf. Ah.
a l'air pas mal. On va faire la prochaine un peu plus grosse. Voilà. Oh, je suis pas très bon. Mais un peu de pratique et ce sera parfait. Ok, et voilà. Bien, je la mets dans ma main encore une fois. Pouf. Bien. Et voilà. Wow. Celle-ci a beaucoup de chocolat. Et voilà. Oh, regardez comme elle est forte. Bien, j'en fais une toute dernière. On y va. Une petite torsade. Je la mets juste là. Pressons un peu de chocolat sur-dessus. Wow! Ça ressemble à une bonne truffe. Bien. Maintenant que j'ai terminé, je vais aller me laver les mains de nouveau. Allons par ici. Attention. Wow! Bien. Comme je l'ai dit, c'est fini. Et ces chocolats vont être trop bons. Vous savez quel autre chocolat doit être très bon? Ouais, je vais lécher le chocolat sur mes mains. Parce que toute ma production de truffes est terminée. Et enfin, je me laverai les mains juste après. C'était super exquis. Et voilà. Oh, merci. Oh, je suis trop excitée de la goûter. Vous la trouvez pas exquise? Oh, c'était trop fun d'apprendre comment on fabrique ces bonnes friandises. Comme celle-là. Ce cornet de glace au chocolat, ça va être trop bon. On a vu le tapis roulant, on a fait des truffes. Oh, salut! Des amis! Wow! Goûtons un peu ça! Alors, les enfants, elles sont comment, ces friandises? Miam! Vraiment bon! Eh bien, c'était super fun d'apprendre tout ça aujourd'hui au Bones Candy Shop! Bien, c'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir d'autres vidéos, tout ce que vous devez faire, c'est chercher mon nom. On épelle mon nom ensemble. B-L-I-P-P-I. Bien joué! Bien, à bientôt! Bye bye! Bye!